les pièces. Voilà. Et voilà. Alors, on a nos petits smoothers. On va venir les brancher. Donc, il n'y a pas de sens particulier. On va les préparer. Il y en a un pour chaque axe. Voilà. Allez, on va commencer par débrancher la machine. Voilà, c'est débranché. Et on va coucher la machine. Voilà. Et on va dévisser. Alors c'est très pratique puisque les broches sont dans le bon ordre. Là on a celle-ci qui est l'axe X, celle d'à côté c'est l'axe Y, voilà, et celle d'à côté c'est l'axe Z. Voilà, ici c'est l'extrudeur, donc là lui on va pas le changer. Alors sur le petit boutique qu'on a imprimé, on a bien l'axe X, Y et l'axe Z. Donc on va placer nos petits smoothers. Voilà. On va les emprisonner. Et voilà. Alors on va prendre l'axe X qui va venir sur la broche de la carte du smoother X. Ensuite on a le Y qu'on va faire passer derrière. Voilà. Le Y il vient là. Tac, on est dedans. Et le Z. Voilà, alors le Z il vient là, Y ici et X. Ici. Et on viendra placer le petit boîtier ici comme ça. Et on va redresser la machine.
Alors voilà, le petit bateau Banshee qui a été réalisé sans les TL smoothers. Alors on voit que c'est assez rugueux, hein, on entend bien chaque couche sous l'ongle. Et puis celui qui a été réalisé après l'installation des cartes est quand même plus fin. Alors ça gratte beaucoup moins, c'est beaucoup plus lisse. D'ici à dire que ça métamorphose l'objet, je n'irai pas jusque-là. Mais ça fait son petit effet quand même. Bon, après j'ai fait d'autres petits essais, comme par exemple cette petite boîte spirale, voilà, qui est assez connue. On entend bien hein, que les couches grattent assez fort, même sous l'ongle. Et j'ai fait la même boîte à partir du même fichier, mais à une échelle plus importante. Et voilà ce que ça donne. Alors, on voit hein, que c'est assez brillant. Je sais pas si on voit bien la caméra. C'est assez brillant, c'est assez bluffant d'ailleurs, parce que ça gratte beaucoup moins à l'ongle. Alors, par contre, quand on remet les deux boîtes ensemble, le jeu est tellement serré que on entend gratter quand même, mais beaucoup moins. Ça donne l'impression que les couches sont beaucoup plus fines. D'autres essais ont été réalisés. Le petit cube de calibration qui est connu, XYZ, lui aussi avec les TL smoothers, permet d'obtenir une surface qui est assez lisse. C'est plutôt pas mal réalisé. Est-ce que ça a vraiment son effet? Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est pas mal. Autre forme qui a été réalisée, celle-ci. Alors, une charnière, on verra plus tard à quoi elle sert. Voilà. Donc, là aussi, c'est plutôt pas mal. La charnière s'est assez bien cassée après le décollage de la pièce. Et l'état de surface est plutôt chouette, quoi. Ça gratte pas trop, même dans le sens des couches. C'est assez propre. Vraiment, c'est assez propre. Autre essai. Alors là, avec une autre marque de plastique. Là aussi, hein, l'effet est très très propre. C'est très lisse. On voit pas beaucoup les couches. C'est vraiment très bien fait. Le résultat est pas mal. La même pièce, enfin pas tout à fait, mais c'est une inspiration avec une autre marque de plastique. Alors là, il y a plus de couleurs. Certes, c'est lisse. On voit moins les couches, mais on voit que le plastique a bavé ici dans les petits treillis. Alors, est-ce que c'est un défaut de température? Pourtant, j'ai gardé la même. Je ne sais pas, il faudra essayer en fonction des marques. C'est différent. Là, un autre essai, petite roue dentée. Voilà, elle est montée sur un petit moteur. On voit hein, les couches quand même. Là, par contre, c'est moins beau. Alors, la pièce est toute petite, mais c'est quand même moins beau. Et c'est vrai que, bon, c'est à se demander si ces petits TL smoothers sont vraiment utiles. Quoi qu'il en soit. Ils sont montés, je les laisse sur la machine. Ça donne des résultats intéressants sur certaines pièces, un petit peu moins sur d'autres, mais a priori, il y a d'autres réglages à envisager, comme les différentes températures en fonction des marques et des pigments de plastique. Voilà, à vous de juger. Causing a scene, following me, you and all of your friends. You won't let this go, let me be. Hanging around as if you found out it wasn't you that left me. When you face to face with your memory.